plusieurs propriétaires de bateaux disent que celui-ci se met à vivre lorsqu'il est mis à l'eau. L'expérience de communion qu'ils vivent ensemble lui fait prendre une place de choix dans leur vie et au sein de leur famille. Ils ne savent pas si bien dire. Je vous présente notre voilier, Balthazar, un dériveur intégral de 10,50 m construit en acier. C'est en février 1987 que débuta dans un chantier professionnel près de Montréal la construction de ce qu'allait devenir notre voilier Balthazar. Une fois la coque terminée, c'est en Montérégie, chez un ami artisan, que les aménagements intérieurs furent réalisés. Sa construction nous prit 7 ans et il fut mis à l'eau pour la première fois sur la rivière Richelieu au Québec en 1994. Nous l'avons nommé Balthazar en l'honneur de ma mère, Thérèse Balthazar. Je vais tenter de répondre à la question « Est-ce que ça prend pour naviguer dans le Nord, au-delà du cercle polaire, un voilier en acier ou en aluminium, donc un voilier très très solide à toute épreuve? » C'est pas indispensable, enfin je le pense pas, mais j'étais bien content dans le Nord d'être à bord d'un voilier en acier, costaud, solide, capable d'affronter parfois des glaces. Mais je dois vous dire que la majorité des voiliers rencontrés au Nord n'étaient pas en acier ni en aluminium. Il y avait un partage de tout ça. Il y a plusieurs voiliers en fibre de verre qui naviguent dans le Grand Nord. Il y a plusieurs voiliers en fibre de verre qui ont fait le passage nord-ouest. En fait, une bonne référence pour les matériaux de construction d'une coque, j'ai pensé que c'était les bateaux de travail, les bateaux de pêche, et j'ai été très surpris sur la côte ouest du Groenland de découvrir que finalement, ils n'étaient pas construits en aluminium ou en acier, sauf quelques-uns, sauf les plus gros. Mais la plupart, les anciens, étaient construits en bois et les plus modernes en fibre de verre. Alors, et ces bateaux et ces pêcheurs travaillent vraiment à l'année longue et rencontrent des conditions difficiles parfois, heurtent régulièrement. On a vu des bateaux de fibre de verre heurter la glace, pousser la glace dans des détroits, dans des entrées de port pour pouvoir sortir. Et ben, quand ils ont des problèmes, quand ils usent un petit peu trop leur fibre de verre, et ben, ils font des réparations, c'est assez facile à réparer. L'équipement indispensable à avoir à bord pour une navigation nordique, en fait indispensable ou à tout le moins, qui va amener un certain confort à bord. Je ne ferai pas ici une liste exhaustive de tout ce que ça prend. Mais une chose est certaine, ça prend un bon sondeur qui fonctionne bien. Il n'y a pas d'eau! Je comprends pas, on navigue, le sondeur marque 3 pieds. Ça prend un système de réception météo, que ce soit une BLU, un téléphone satellite ou autre. J'essaie d'appeler Rémi, un ami à Montréal, qui puisse nous donner une météo, parce que notre système météo ne fonctionne plus. Une bonne isolation, un bon chauffage, un moteur qui fonctionne bien. Et voilà. Bon, là, il faut que je répare le moteur. Et une bonne réserve de carburant. Et on peut rajouter à ça, bien entendu, un radar qui va apporter une certaine sécurité lorsqu'il y a du brouillard. Puis, bon, il peut y en avoir quand même assez souvent. J'ai fait le tour là, des choses intéressantes puis indispensables. Mais c'est sûr qu'on peut ajouter à cette liste-là beaucoup, beaucoup d'équipements. Un bon moteur, un moteur fiable, avec une réserve de carburant importante. C'est sûr qu'on trouve du carburant diesel dans la plupart des villages dans l'Arctique canadien, entre autres, mais la distance entre les villages est quand même assez grande. Ça prend une autonomie de plusieurs jours de carburant diesel. Avant de partir pour le Nord, j'avais au moins une exigence, c'était d'installer un chauffage à bord. La température ne dépasse guère les 10 degrés Celsius et Guy n'a pas encore réussi à faire fonctionner notre tout nouveau chauffage. Il fait froid et humide à bord et déjà le manque de sommeil se fait sentir. Ça nous a pris quelques semaines avant de finalement réussir à faire fonctionner le chauffage. Puis on avait décidé de bloquer toutes les entrées d'air du bateau. Toutes les boîtes dorades étaient fermées pour nous permettre de bien réchauffer le bateau. Mais ça a été une grave erreur parce que finalement, l'air humide reste à l'intérieur. On réchauffe de l'air humide, ce qui crée une condensation dans les hublots. Les hublots à bord de Balthazar, qui sont quand même assez grands, les panneaux de pont, ça se mettait beaucoup. On a découvert en fait qu'il fallait laisser des entrées d'air dans le bateau, donc plusieurs boîtes de rade ouvertes et réchauffer cet air froid qui rentre. L'humidité est complètement partie. Et on a aussi
Claire et moi, à Inuvik, donc au début de l'été 2013, avant d'entreprendre l'été sur les côtes de l'Alaska, on a isolé donc nos hublots avec une pellicule plastique thermorétractable. Donc, on a collé tout le tour du hublot qu'on a chauffé avec un petit séchoir et c'est devenu tout à fait transparent. C'était beau et on n'a pas eu du tout de condensation depuis ce temps-là. Donc, une bonne entrée d'air frais, un bon chauffage, l'isolation des hublots, si possible, l'isolation de la coque et le tour est joué. Bref, si on résume, le voilier idéal pour naviguer au-delà du cercle polaire, en fait, c'est un voilier de voyage. Un voilier de voyage, pour moi, c'est un voilier avec de grandes autonomies en eau, en carburant, bien équipé, tout ça. À partir du moment où on a un bon voilier, qu'on connaît bien, à qui on fait confiance, je pense qu'on peut naviguer à peu près n'importe où. Le plus important dans tout ça, il y a le bateau, bien sûr, mais il y a l'équipage, il y a les gens qui sont à bord. C'est eux qui vont faire la différence entre un voyage réussi, une expédition réussie ou l'échec. Chère maman, tu as su m'accompagner tout au long de ma jeunesse et même dans ce projet un peu fou qu'est celui de construire mon voilier pour partir. Ce beau voilier vert naviguera d'une escale à l'autre de par le monde et chaque fois qu'on me dira qu'il est beau, je dirai fièrement qu'il porte ton nom.